Moi, mon ancien fiancé là. Non, il voulait m'épouser. Ton ancien quoi? Mon ancien, j'avais un fiancé. Ah bon? Vous ne l'avez pas connu? Je le cachais. Ah. À cause de son nom. Pourquoi? Comment ça? C'est pas monsieur Gul. Monsieur quoi? Monsieur Gul. Attends, il a tête un peu porte bien là. Non, non, non. C'est John. C'est John. C'est John. C'est quelle nouvelle ils ont donné là-bas? Aujourd'hui là? Faut donner les vraies nouvelles. En tout cas. Mais toi quand tu connais pas aujourd'hui, c'est qu'il y a aujourd'hui là, nous sommes bénis. Bonjour. Maman, enfant, ils sont mignons. Bonjour ça. Madame. Ça j'ai pas dit. C'est des jolis enfants hein. On veut du garba choco. Du garba choco. Pour combien madame? Garba 100 francs, poisson 900. Voilà. Avec ça fait le condiment? Non, non, comme c'est pour les enfants. Ah. Emporté non? Oui, emporté. Emporté. Ça va Nyonyo? Comment tu t'appelles? Ben Pouchou. Il n'entend pas. Pouchou. 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 Et ton nom de famille? Mon nom de famille, c'est trop vilain pour pas dire. Bonjour. Tu as de quelle ethnie? Maman, je suis bété. Ah, tu es bété. Mais tu parles bété, non? C'est trop difficile pour parler. Mais tu vas au village? Maman, il y a les sorciers là-bas. C'est vrai. Ça, c'est maman qui a les sorciers dans votre village. Ok. Madame, voilà. Bonjour. Va t'attendre dans la voiture. Non, au revoir. Hein. Monsieur? Oui, madame. Si mes enfants ne parlent pas leur langue là, c'est ton problème? C'est quel comportement ça? Non, excusez-moi madame, excusez-moi. Excusez-moi comment? C'est ton problème? Excusez-moi, c'est comme ça. C'est causerie, pardon madame. Excusez-nous. Le bonnet a eu des. Elle a eu qui? Il travaille devant la balle là-bas. Il y a pas de. C'est la première fois que j'ai vu la paix. C'est face que je faisais. Hein? Parce qu'elle n'a pas encore donné l'argent. Ah! Sinon, elle avait bien quoi. Comment toi, tes enfants, ton enfant, il a dit oui? Non, notre nom de famille là, j'ai honte de ça. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est normal ça? Non. La vérité sort de la bouche des enfants. Hey. Elle a vraiment dit. Moi j'ai un ami là. Hein? Leur nom de famille là, c'est Gougogbelus. Quoi? Gougogbelus. Qu'est-ce que c'est Gougogbelus? Ça n'a pas été ça comment? Tu sais le boss, les gens ont souvent raison de ne pas donner leur nom de famille. Hein. Moi, mon ancien fiancé là. Il voulait m'épouser. Ton ancien quoi? Mon ancien, j'avais un fiancé. Ah bon? Vous ne l'avez pas connu? Je le cachais. Ah. À cause de son nom. Pourquoi? Comment ça? C'est pas monsieur Gul. Monsieur quoi? Monsieur Gul. Attends, il a tête un peu porte bien là. Non, non, non. Vous voyez, tu as eu raison de refuser ma lettre. Madeleine Gul. Si tu veux essayer, elle dit madame Gul. Il m'a dit, voilà madame Gul. Il m'a dit Madeleine Gul. C'est un nom. Son nom de famille, monsieur Pute. Il n'a pas un nom. Ah, ça, c'est sûr, il y a des problèmes. Non, il y a une chose aussi. Hein. C'est quoi? Faut reconnaître, il y a trop de sorciers aussi au village. C'est pas faux. Mais c'est pas faux. Tu vas envoyer ton enfant au village. Ou maintenant, tu vas aller construire au village. Deux semaines après, paf, tu es mort. Mais c'est pas forcément au village qu'on parle la langue maternelle. L'enfant qui parle français, là. En France, il a appris ça. Non, non. Bon, eux, ceux qui vont plus au village. Moi, en tout cas, je connais le nom de mon village. Je connais le nom de mon village. Ton village est où, ma vie? Mon village a un beau nom. Mon village s'appelle Blenimewen Tawake. C'est trop dur. Ma fille, moi, mon village s'appelle Ziplignan. Ziplignan. Pourtant, c'est quoi? Moi, il y a longtemps, je suis parti au village. Quand mon virement va passer là, je vais aller au village parce que j'ai un peu oublié le nom.
Hein? Y'a les enfants sont mieux. C'est chaud.